Possible. Ah oui, mais attends, mais là, c'est sûr ça, mais oui! Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout, il y a de la joie. Ben là, c'est très très clair, il n'y a plus de doute, c'est carrément le printemps. C'est le printemps, c'est le printemps, c'est le printemps, c'est le printemps. Ah oui, quand même. Il n'est pas rare de voir des personnes portées par un certain enthousiasme à cette saison. Les oiseaux chantent, la nature renaît, la sève monte. Autant de raisons pour se laisser gagner par une certaine euphorie. Et comme l'énergie est légère et ascendante, quoi de plus naturel que de s'envoler avec elle? Si toutefois vous sortez de l'hiver comme une ombre du placard, que vous sentez lourd, fatigué, fracassé, démoralisé, dévitalisé, démotivé, allergisé, gras, trop gros, mou, courbaturé ou tout simplement un peu bof. Ça n'est pas normal, hein. Donc, si vous souhaitez réinstaller ou maintenir une belle énergie en vous, ben, profitez du printemps pour faire le grand nettoyage dans votre corps. Enfin, on va quand même y aller en douceur. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une bonne cure de détox, en pleine harmonie avec ce changement de saison. Quand je dis cure de détox, je veux parler évidemment de ce principe ancestral qui consiste à favoriser l'élimination des toxines accumulées dans notre corps. Pour faire bref, il s'agit en fait de nettoyer, de drainer nos émonctoires. C'est quoi est-ce, me direz-vous peut-être? Eh bien les émonctoires, je vous explique, à travers notre bouche, notre nez et notre peau, de nombreux éléments pénètrent dans notre corps. Il y a l'eau, l'air, les nutriments, les aliments, la lumière, la chaleur, les ondes, etc., etc. Et tous ces éléments extérieurs vont être exploités par notre organisme qui va filtrer, assembler, transformer avec une sublime intelligence tous ces nutriments. Et ce dont il n'a pas besoin, il va le rejeter grâce aux émonctoires, c'est-à-dire grâce aux organes spécialisés dans l'évacuation des déchets. Et du coup, notre bien-être va être intimement liés à leur bon fonctionnement. Alors, qui sont-ils ces émonctoires? Ils sont au nombre de 5. Nous avons le foie, les reins, les poumons, la peau et l'intestin. Je vais donc parler de 3 alliés précieux pour prendre soin de ces différents organes et leur redonner la forme. Comme le printemps est la saison associée au foie et à la vésicule biliaire, c'est le moment idéal pour s'occuper et prendre soin d'eux. Bien entendu, nous n'allons pas pouvoir sortir nos poubelles si le chemin vers la porte de sortie est encombré. Je vous propose donc en même temps de déblayer les reins et le système urinaire. Pour faire tout ça, nos 3 gentils assistants seront la sève de bouleau, les orties et le pissenlit. Commençons par la sève de bouleau. Donc pour ne pas compliquer les choses, je vous propose de l'acheter en magasin bio. Elle n'est pas très difficile à extraire par soi-même, mais bon, on verra ça peut-être l'année prochaine, chaque chose en son temps. Choisissez une marque qui propose une sève récoltée cette année, non traitée, c'est-à-dire qui n'a pas été pasteurisée et qui n'a pas subi de traitement de conservation. Si ce n'est pas écrit sur la boîte, c'est qu'il y a eu un traitement. Le petit verre de sève de bouleau. Donc bref, il vous faut une sève fraîche et rien que ça, pas d'alcool additionné, etc. Dès que vous l'aurez trouvée, vous la ramenez précieusement chez vous. Et avant de commencer votre cure, laissez-moi vous dire quelques mots sur cette petite merveille. Donc partout où les bouleaux ont poussé, les hommes les ont vénérés. Les Celtes, les chamans sibériens, en Europe, dans les pays nordiques, comme en Asie centrale, partout cet arbre est sacré.
Les anciens connaissaient déjà ces vertus dépuratives, diurétiques et revitalisantes. Et cet élixir va principalement agir sur le foie et les reins, tout en permettant un drainage profond de l'ensemble de l'organisme et des liquides extracellulaires. La sève de bouleau est avant tout un dépuratif hépatique, donc pour le foie. Mais comme la nature est sacrément bien faite, cette sève va également déblayer le passage pour les toxines grâce à sa forte action diurétique. En résumé, elle va capter et neutraliser les toxines, les déchets, les graisses saturées, les pesticides, les colorants et les autres additifs industriels, les arômes non naturels ou encore les conservateurs accumulés pendant l'hiver. Bon, les effets secondaires auxquels vous pouvez vous attendre sont la perte de poids si vous êtes en excès, un regain d'énergie, la diminution ou la disparition de douleurs chroniques, l'assainissement de votre peau, etc. Mais qu'est-ce qu'il a, M. Zoé, ça ? Oui. Typiquement, la cure dure entre 7 et 21 jours et votre sève doit impérativement être conservée au frigo. Vous pouvez la tenir une bonne dizaine de jours. Et encore un petit truc pour maximiser les bénéfices, pensez à bien insaliver la sève, donc la garder en bouche, hein, comme on ferait avec un bon vin. Vous permettez ainsi à votre cerveau de bien prendre la mesure de ce qui est en train de rentrer dans votre organisme et d'en tirer le maximum. N'oubliez quand même pas qu'il s'agit de la sève d'un arbre sacré et vénéré. L'ortie est vraiment une plante aux mille vertus. C'est une plante médicinale par excellence qui a un peu été oubliée, délaissée, comme si c'était une mauvaise herbe. Mais en fait, quand on la consomme, elle va alcaliniser tout le corps, le détoxiner, être diurétique, donc permettre d'éliminer et agir sur le foie également. Elle va renourrir profondément l'organisme. Et les herboristes la considèrent comme une plante que l'on peut administrer quand on ne comprend pas bien la pathologie de quelqu'un, parce que de toute façon, ça va agir positivement. Et elle est tout particulièrement indiquée en cas de stress, de fatigue, de surmenage, de burn-out, de période de travail intellectuel et de concentration intense. C'est parti pour la cueillette aux orties. Donc on a trouvé un bon stock ici. Il va nous falloir évidemment éventuellement des ciseaux, des gants, ça peut toujours être intéressant, et un sac pour les recueillir. Et c'est parti. Alors ce qu'on va faire, c'est prendre seulement les plus jeunes feuilles, c'est-à-dire celles qui sont au sommet. On prend les 4-5 du sommet. Et hop, c'est parti, on la met dans le sac et on continue. Alors, si vous êtes une canule totale en botanique, pas de problème, vous ne savez pas reconnaître une ortie, vous avez une hésitation, vous mettez la main, voilà, ça pique, c'est une ortie, vous pouvez y aller. Alors, ces magnifiques orties, nous allons commencer par les nettoyer. On ne sait jamais qui est passé par là avant nous, peut-être un petit renard. Donc, on les passe sous l'eau. Ça va. Ça pique encore. La solution. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est comme dans la vie, aller du plus simple au plus compliqué. Donc, on va commencer par l'eau d'ortie. On peut faire plein de choses avec les orties, mais le plus simple, c'est l'eau d'ortie. Il vous faut des orties et de l'eau. Donc, jusque-là, tout va bien. Et éventuellement, quand même, c'est pratique. Un récipient en verre. Donc, favoriser le verre, le plastique et le métal. Ça reste bof bof. Donc, simplement, je vais mettre mes orties dans mes bols, dans mes pots. Voilà, ici aussi. Alors, une fois que ça c'est fait, on y est presque. Il nous reste à recouvrir les orties avec de l'eau. Et voilà. Et on va laisser macérer pendant 8 à 10 heures. Ensuite, l'eau sera prête. On peut supprimer les orties, verser ça dans une bouteille et boire chaque matin. À jeun, cette eau qui sera un peu rouge. Voilà, l'eau d'ortie est prête, elle a macéré toute la journée au soleil, donc les propriétés de l'ortie sont maintenant dans l'eau, et je vais verser simplement ça dans la bouteille, comme ceci, et j'obtiens une eau d'ortie rouge, enfin très sombre, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, j'ai réuni tous les ingrédients pour faire une petite tartinade d'ortie. Donc j'ai de belles feuilles d'ortie. Je vais utiliser de l'huile d'olive, quelques gousses d'ail, du miso, un peu de purée d'amande. Et comme j'aime la coriandre, je vais rajouter un peu de coriandre et quelques feuilles de basilic. C'est parti. Et on va hacher tout ça très fin. Bon ben voilà, ça commence à ressembler
à ce qu'il faut. Mal, on va transvaser le tout, c'est-à-dire toutes les orties finement hachées, dans un bol. Je vais rajouter un peu d'huile d'olive. Voilà. Deux petites gousses d'ail. Ici. Oups. Une petite cuillère de miso. Je commence déjà à mélanger le tout. Un peu de purée d'amande pour lier tout ça. Je vais prendre un peu de coriandre aussi. C'est très très bon. Deux, trois feuilles de basilic. Je mélange. Et c'est prêt. Ben, on va se goûter ça. Ouais. Non, c'est carrément bon. Ça déchire. On a déjà vu qu'on pouvait faire l'eau d'ortie, que j'ai goûtée, qui est excellente, et qu'on pouvait faire une sympathique petite tapenade aussi. Évidemment, tout le monde connaît la soupe aux orties. Donc ça, je ne vais pas vous faire une démo. Vous faites une base de soupe, par exemple avec des pommes de terre et les légumes que vous avez choisis. Et à la toute fin de la cuisson, vous jetez les orties dedans. On va refaire. Ce qu'on peut également faire, c'est déshydrater, faire sécher les feuilles. Je vais simplement les étendre sur les plateaux pour les faire sécher. Et ainsi, j'aurai de quoi faire des tisanes une fois que la saison de la récolte sera passée. Et je pourrai m'en servir pendant l'hiver. Voici la fameuse machine El Desiderator. Et j'ai mis mon panier avec les orties dedans. Je l'ai réglé sur 60 degrés, je vais le laisser tourner, disons, pendant quelques heures. Le pissenlit est un excellent dépuratif. Il va être diurétique et drainer les reins. Il nettoie le sang également, ce qui est bien aussi. Et puis, il est cholérétique. Cholérétique, c'est-à-dire qu'il favorise la sécrétion de la bile qui aide à la bonne digestion des graisses et par là même va favoriser le bon transit. C'est une plante également très riche en vitamine C et qui ouvre l'appétit. Donc quoi de plus malin que d'en cueillir un petit peu, de l'intégrer dans une jolie salade que l'on va commencer à mettre sur la table en entrée pour s'ouvrir l'appétit pour ce qui viendra ensuite. Eh oui! Voilà, on va récolter un peu de pissenlit. Donc ici, j'ai les feuilles, les racines aussi. Alors les racines, on va pouvoir en faire des décoctions. Et les feuilles, des salades. Donc les fleurs aussi, on peut les ajouter dans la salade. Elles sont comestibles, c'est joli. Ça met des couleurs dans l'assiette. Donc on essaye de bien attraper toute la plante. Et c'est pas évident d'avoir la racine, mais voilà, là j'ai bien la racine. Alors, on va continuer avec le macérat de racines de pissenlit qui est ici. Donc, j'ai gardé quelques racines que j'ai fait sécher. Et pour le macérat, j'ai utilisé 1 litre d'eau dans lequel j'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe de racines, séchées ou pas. Donc, ensuite, je vais mettre le tout dans une casserole et faire bouillir 3 minutes. C'est parti. Et bien voilà, la décoction est prête. Ça fait 3 minutes que ça boue. Je coupe le feu, je vais filtrer. La décoction de racines de pissenlit va rejoindre mon eau d'ortie au frigo. Et bien voilà les amis, j'espère que tout ça vous aura inspiré. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker sur YouTube. Et si vous avez des questions ou des partages à faire, ils sont les bienvenus. À très bientôt.